Il y a peu, Laura Mara a tenu à revenir sur des rumeurs qui ont été balancées à son encontre avec Kevin Gage. En effet, la jeune femme est suspectée d'avoir eu une aventure avec le père de famille, et elle tient à revenir sur tout ce drama. Kevin Gage, infidèle à Carla Moreau avec Belle Longuel. Il faut croire que depuis que l'info a été révélée sur les réseaux sociaux, Carla et Kevin sont le centre de l'attention. Rappelez-vous, il y a peu, Belle a révélé avoir C**UCHE accent aigu avec Kevin Gage durant le tournage de La Bataille des Clans. Bien qu'elle soit restée silencieuse, Carla Moreau a pourtant clashé Bastos, qui s'est défendu en assurant n'être qu'un message dans cette histoire. Hello le messager, j'ai vérifié, aucun texto, aucune lettre, pourtant tu as bien mon numéro et mon adresse. Cherche bien, tu m'as envoyé un message pour me confirmer ta présence à notre mariage auquel tu as assisté, et mon adresse tu dois bien la connaître pour avoir mangé à ma table il y a quelques semaines. Donc au moins ferme-la. Je souhaite bon courage à tous les amis du messager. Ils ne communiquent que par YouTube. Sur le même sujet, Mélanie ORL, accusée d'avoir eu une aventure avec Nicolas Lozina, elle réagit aux nouvelles révélations Choc et Balance. Mélanie ORL, accusée d'avoir eu une aventure avec Nicolas Lozina, elle réagit aux nouvelles révélations Choc et Balance. Kevin Gage s'exprime après de nouvelles accusations. Et d'ailleurs, suite à une sortie en boîte après l'annonce de leur break, Kevin a dû s'exprimer pour s'expliquer face à la toile. Alors oui, clairement, je suis sortie avec des amis parce que j'avais envie de décompresser, on s'est régalé, on a passé une bonne soirée, je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Ça faisait très très longtemps que j'étais pas sortie comme ça, ça fait du bien. J'ai passé vraiment une bonne soirée, on a rigolé et pensé à autre chose. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Il peut y avoir des vidéos de moi où je suis sortie parce que j'étais dehors. Je suis sortie parce que j'en avais besoin. Et d'ajouter, avec Carla, on vit des moments très compliqués, donc j'ai envie de penser à autre chose et décompresser totalement. J'avais envie de me faire une petite soirée avec des amis que j'avais pas vus depuis longtemps. On a parlé de tout, de rien, de ma situation actuelle, mais il n'y a pas eu de manque de respect ou quoi que ce soit. C'est pas non plus dramatique ce qu'il s'est passé samedi soir. Je pense que Carla prendra ses réseaux sociaux d'ici peu pour expliquer la situation. Laura Mara au cœur de la polémique avec Kevin Gage. Mais depuis peu, la prétendue cousine de Maeva Ghenam a fait de nouvelles révélations sur les réseaux sociaux. Selon elle, Kevin Gage aurait eu une aventure avec une autre candidate durant le tournage, et il s'agirait de Laura Mara. Et cette dernière n'a pas manqué de répondre à ces rumeurs et à mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. En compagnie de son amie Noémie, qui avait été V**C-Time de R**Sisme, elle s'exprime. Je vois des trucs sur les réseaux, je veux bien qu'on m'invente des vies, qu'on invente des mensonges sur moi. Je veux bien, je laisse parler les gens en fait.
Mais là, il faut doser les mensonges parce que là, quand même, on va très très loin. Modération, modération, on vous demande juste ça, tu vois? Tu peux parler sur moi, m'inventer des vies, etc. En vrai, je m'en bats de laisser astérisque parce qu'il ne faut pas donner du crédit à ce genre de personnes. Mais là, on a touché le fond, les gars, niveau mensonge, niveau invention de life.